et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'ouvrir aujourd'hui les nouveaux coffrets de Mimiki X. Donc je crois que c'est les premiers coffrets où apparaissent vraiment les ex, parce qu'on avait eu nos petits coffrets de Poussacha, Coiffeton et Chochodil, mais à part les Jumbo, il n'y avait pas d'ex à l'intérieur. Donc là on a vraiment notre petit Mimiki X que je vais vous montrer tout de suite. Et puis avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Merci à ceux qui le feront. Bon, alors je vous montre rapidement le coffret, si jamais vous ne l'avez pas vu. Oui, parce qu'il vient tout juste de sortir. Ouais. Je pensais même pas le trouver en fait. Il doit avoir, il doit avoir à peu près une semaine, un peu plus. Il doit avoir... Bon, il est pas très vieux. On l'a trouvé... Maman l'a trouvé par hasard en fait, c'était... En cherchant du Zenith Suprême. C'est ça. J'ai trouvé du Mimiki. Donc on s'est dit, bon bah c'est sympa aussi ça. Hein. Alors... De toute façon, comme nous nous sommes lancés le défi de faire toutes les cartes promo du bloc violet, ben, il nous faut fallait qu'on l'achète. Voilà, on n'avait pas le choix. D'ailleurs, par rapport à ces coffrets-là et à tous les coffrets globalement, faut faire attention sur les prix parce que tout le monde parle d'augmentation, que Pokémon Company a augmenté les prix des cartes Pokémon, mais ils ne l'ont pas encore fait. Par contre, bah, les commerçants qui sont pas bêtes, hein, ils commencent déjà à augmenter les prix alors que Pokémon ne l'a pas fait. Donc on paye plus cher des coffrets qui n'ont pas du tout augmenté. Ouais. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence en fait. Regardez bien les prix des enseignes. Il y a pas de... Il y a des stocks. Donc c'est pas la peine de se précipiter. Il faut faire jouer la concurrence et acheter là où c'est le moins cher. Surtout si vous avez un budget limité comme nous. Ou bah nous voilà, on achète des fois un item dans une enseigne, un autre item dans l'autre, on fait là où c'est le plus intéressant financièrement pour nous. C'est ça. J'ai vu des coffrets Régileki et Régidrago à 31€. Alors que ça va de 23€ à 31€ quoi. Donc il y en a, il y a du stock, ne vous inquiétez pas. Et la petite toutombe. Elle est sympa. Il est joli l'holographisme. Au final, je pense quand même que je préfère cet holographisme-là que les traits. Je trouvais que ça faisait ça. Je sais pas. Je voyais plus très bien l'illustration à cause de ça personnellement. Bon, alors on a deux Lugia. C'est assez étonnant. Donc comme ça fait un Lugia chacune. Et puis moi je prends donc le Astro Radieux avec et maman prend le Dracaufeu. Parce que au cas où vous n'êtes pas allé voir la vidéo du coffret Arceus, maman nous a paqué un beau hit dans le Star Étincelle Dracaufeu. Donc j'aimerais bien qu'elle nous fasse la même chose. Et puis peut-être que vous l'avez remarqué, mais on n'est que deux aujourd'hui parce que Boubou et Motismadex sont pas là, elles sont absentes. Donc on n'est que maman et moi. Donc ça fait deux boosters, c'est la fête, on ouvre plus que d'habitude. C'est ça, on va pas pour une fois les pleurer. Bon, allez, maman. Les pauvres, petite fille. Bon, allez, maman, tu commences. Alors, bah, par quoi je commence? J'hésite. On va commencer par Star Étincelante. Star Étincelante. Alors. Ça, on sait jamais, des fois, qu'il y a se cache dans le tempête argentée. C'est ça. Allez, là, le Dracaufeu aussi, on l'a pas et je pense qu'on l'aura pas. Ni on sait jamais sur un malentendu. C'est ça, une petite carte perdue. Ah, bah non, mais il n'y aura pas de Dracaufeu malheureusement. Mais la dernière fois sur un code blanc, c'est là qu'on a paqué une belle TG, donc on sait jamais. On peut peut-être en avoir une autre belle. C'est ça, il y a tellement de jolies cartes. C'est ça, il y en a tellement que... Alors, Stalgamin, Tarinor, ah, Dedenne, trop mignon, Polarum, Lixi. Qu'on va retrouver d'ailleurs dans Zénith Suprême, hein, il est beaucoup représenté. Lixi, Luxio et Luxray. Bah ouais. Et deux fois en plus, deux ouais, de chaque. C'est trop cool. Énergie haut. Ça va compléter ma collection. Poscara. René. Lendor. C'est ça, Clic. Et ben non. Torterra. Ah bon, on l'a même pas. Non, on l'a pas. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce que c'est une des rares qui me manque. Donc ça, je suis très contente de l'avoir. Ouais. Pour le coup, parce que les rares rivers, elles tombent pas si souvent, en tout cas pas pour nous. Et Itran, que ça, on a déjà. Ouais, ça ne m'étonne pas. Donc bon, rien de foufou, mais malgré tout, la reverse qui au moins aura le plaisir de compléter notre collection. Bah, j'espère qu'on va paquer des trucs, parce que globalement, sur les quelques ouvertures que j'ai vues, c'était vraiment pas terrible. On va pas se mentir, il n'y avait rien du tout en fait. Bah, c'est un peu, voilà, de toute façon, ces coffrets-là...
Des fois, il y a des fois, il y a des fois, il y a pas. Les, pour les coffrets Poussacha, Coiffeton et compagnie, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas eu de chance avec, mais nous, ça nous aurait quand même pas mal réussi. Ouais, ben après avoir eu beaucoup la poisse aussi. C'est ça, ah oui. Oh, il est tout fin. Il a une texture tout bizarre, le col noir. Ah ouais, on dirait limite qu'il est... Qu'il est... Je sais pas, bizarre. Allez, la Logia. Ouais. Ou une foulard, c'est bon. Oh, non, une dresseur, j'aimerais trop avoir une dresseur, c'est une trop belle. Goopix, c'est un gamin. Passe rouge, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Grain dur, Colorior, énergie électrique, disparaît-il. Ouais, elle est très sympa celle-là, j'aime beaucoup. Ouvrière, pourrait l'avoir en foulard elle aussi. Ouais, Eliatron. Dracolos, ah ben ça c'est bien parce que celle-là je l'ai pas. Ouais, c'est ça, on l'a vend holographique. Ben écoute, au moins ça fait deux rares reverse qui complètent, c'est déjà mieux que rien. Et oh là là, puis alors c'est toujours la même. Oui, il y a eu plus de Dracolos, on l'a pas. Ouais, voilà, on l'a en reverse. Bon, professeur Ginette, ça va être à toi de redresser la barre, ouais, de rehausser le niveau de cette ouverture. L'ouverture. Allez, je vais commencer par. Le petit astre radieux, vu que j'ai espoir que dans Tempête Argentée, on pas quand même une alternative, parce qu'il y en a des sympas, on va pas se mentir. Tu mets la barre très haute là, quand je même. Je suis toujours optimiste. Bon, je devrais peut-être pas, mais... Voilà, ouais. On peut piquer quelque chose de plus simple qui nous fera tout autant plaisir. Même dans ce radieux, il y a plein d'alternatives. Et je crois que j'ai vu un code blanc. Voilà, c'est ça. Allez hop, let's go. 1, 2, 3, 4, 2... Bon, allez, là, un petit truc sympa, s'il vous plaît. Alors, Moustillon, Poutout, Krixik, Seraphos, Quillfish, te essuie, Énergie Métal. Oh, il est là, bon, ça, Curie épicé au piment, ça n'a pas l'air mauvais. Électrode, te essuie, Vitalité de Flo, et non, Roxane en reverse, et Guerriègle, te essuie. En plus, ouais, je crois qu'on l'a déjà celle-là aussi. Comme je il nous manque quelques petites rares comme ça, toutes simples. Mais... Allez, Luca, là. Allez. D'ailleurs, pour le coup, je trouve que c'est un coffret qui a quand même des bons boosters à l'intérieur. Parce que je vous avoue que, bon, au point de fusion, j'en ai vraiment pas pris la casquette. Mais là, c'est cool d'avoir un peu d'autres boosters. Mais bon, après, si on n'a rien du tout dedans, c'est nul. 2, 3, 4, 5. C'est fou! Oh non, dis pas qu'on a rien quand même, c'est la déprime sinon. Alors, oui, mais si! Balbuto! Tic! Tournegrain! Chlorobule! Énergie Pistar! Anorite qui est toujours très joli! Fossile inconnu, bah du coup, c'est son fossile! Onigali qui est très sympa aussi! L'illustration est mignonne! J'aime beaucoup! Tic Reverse! Et... Fionn. Bon, alors là, c'est la déprime. Bon, bah écoutez. Ouais, ça fait partie du jeu. Heureusement qu'on faut pas se plaindre. Nos belles cartes, parce que franchement, elles sont très jolies quand même. Voilà, oui, déjà, c'était la raison première pour prendre ce coffret, c'était les promos. Voyez, c'est la promo 4. Donc après, si on avait eu quelque chose dedans, ça aurait été un plus. C'est sûr, mais bon, voilà. Et donc, vous voyez, si jamais vous aviez payé ce coffret 26-27 euros... Alors ça, c'est encore presque les prix. C'est que moi, je les ai vus même à 31 euros. Donc... Ça, vous imaginez, 31 euros. Enfin, les promos, vous les trouvez à, je sais pas, 5 euros, je suis sûre, sur Vinted, j'en sais rien. Donc, bon, voilà. Après, comme a dit maman, c'est le jeu. Mais bon, malheureusement, on aurait quand même bien aimé avoir un titre. Ça aurait été plus sympathique. Mais bon, écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on vous montre quelque chose. Et sur ce, on vous dit... Salut les gens!